Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment installer, comment configurer son Chromecast. Donc, qu'est-ce que le Chromecast? Le Chromecast est tout simplement un appareil de chez Google, une prise HDMI munie d'un port micro USB pour l'alimenter. Et grâce au Chromecast, vous allez pouvoir caster votre smartphone sous Android directement sur votre télé. Vous allez pouvoir caster les vidéos et vos images, vos photos sur votre télé avec votre Google Home. Aujourd'hui, on va voir comment le configurer, avec quelle application et comment le mettre en place. Alors, merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et à tout de suite donc pour la suite du tuto, la configuration du Chromecast. C'est parti! Voilà, donc tout d'abord le Chromecast, vous allez le connecter à votre télé grâce à sa prise HDMI. Une fois connecté, vous allez l'alimenter avec le câble qui est fourni et vous allez voir que instantanément apparaît différentes choses sur votre télévision. Donc, on va tout de suite le brancher et voir ce qui se passe. Voilà, donc lors de la première connexion de votre Chromecast, vous allez avoir le logo Google qui va apparaître sur votre téléviseur. En haut à droite, on va vous inviter à télécharger l'application Google Home, soit sur le Play Store, soit sur l'App Store. Une fois votre application téléchargée, vous vous dirigez sur l'application Google Home et vous allez dans Ajouter un appareil. C'est parti, on va tout de suite faire la configuration et l'installation ensemble de notre Chromecast. Une fois que vous avez téléchargé votre application Google Home, vous allez à l'intérieur et vous allez chercher le bouton Ajouter. Ajouter. Vous le validez. Ensuite, vous allez chercher le bouton Configurer un appareil. Bouton. Configurer un appareil. Une fenêtre s'ouvre encore à vous. Vous vous dirigez sur Nouveaux appareils. Configurer de nouveaux appareils. Google Home. Chromecast et appareil Mat fort comme ampoules intelligentes C2G. C'est celui-ci qu'il nous faut. On le valide. Quitter la configuration. Avec la nouvelle application Google Home, si vous avez déjà des appareils de connectés, vous vous dirigez sur la maison qui a été connectée. Ici, Sélectionner. Maison. Choisir une maison. En tête. Vous pourrez contrôler les appareils et les services dans cette maison. on sélectionne bien la maison actuelle. Sélectionner. Maison. Ensuite, on se dirige sur le bouton suivant, en bas à droite. Suivant. Bouton. Autres options. Bouton. Ici, l'application Google Home se met à rechercher un Chromecast, un Google Home ou tout autre appareil qui pourrait être connecté à Google Home. Ici, il a trouvé Plusieurs appareils détectés. Choisissez l'appareil que vous souhaitez configurer. Chromecast. Bouton. l'application a bien découvert un Chromecast en cours de détection. Chromecast 5974. On va le valider. Chromecast. Sélectionné. Chromecast. et on continue sur le bouton suivant en bas à droite. Suivant. Bouton. vous avez des informations qui vous sont données sur le téléviseur, mais non vocalisées. Nous, ce que l'on va faire, on va faire confiance à notre smartphone et on va continuer la configuration. Car à cette étape, on nous demande si le numéro apparaît bien sur notre téléviseur. On nous demande si un numéro en bas à droite de votre téléviseur apparaît bien comme ici. Ce qui est tout de suite retranscrit sur le smartphone ici. Voyez-vous le code? En tête. On nous demande si on voit le code. Vérifiez que ce code s'affiche sur votre TV pour vous assurer que vous configurez le bon Chromecast. Donc, H8M7. même sans voir sur l'écran, vous pouvez confirmer que ce code apparaît bien et on continue. Non. Bouton. Oui. Bouton. Donc, on va dire oui. Quittez la configuration. Sur le téléviseur, d'autres renseignements vous sont demandés. Ici, sur le smartphone, on vous demande si vous voulez Aidez-nous à améliorer Chromecast. Partagez automatiquement avec Google les statistiques relatives à l'appareil et les rapports d'erreurs afin d'améliorer l'expérience de tous les utilisateurs. Non. Merci. Oui. J'accepte. On va dire oui. Où se trouve cet appareil? En tête. Ensuite, on va vous demander où se trouve ou donner un nom à ce Chromecast. Choisissez un emplacement. Mes pièces. Chambre. Chambre, bureau, salon. Bouton. Ici, je vais dire qu'il se trouve dans le salon. Sélectionnez.
Salon. Je continue sur le bouton suivant. Suivant. Quel réseau Wi-Fi voulez-vous utiliser pour ces... Donc ici, on vous demande de connecter votre Chromecast à votre réseau Wi-Fi. Sélectionnez Livebox 46CK. Quand vous sélectionnez ce réseau, on vous demandera d'entrer le mot de passe de votre réseau. Suivant. Bouton. Et vous ferez suivant. Connexion Wi-Fi. Il est donc en train de connecter notre Chromecast au Wi-Fi. Quittez la configuration. Bouton. Lorsque votre smartphone réagit, ça veut dire que la connexion s'est réalisée correctement. Association de votre Chromecast en cours. Votre Chromecast utilise votre compte Google pour vous fournir une expérience personnalisée. Continuez. Une fois votre Chromecast connecté à votre Wi-Fi, on vous donne un récapitulatif de tout ce qui a été fait. Vous avez presque terminé. En tête. Voici le récapitulatif de ce que vous avez configuré. Appareil, salon 2, service, DZ, Wi-Fi, Livebox 46C4. Suivant. L'appareil salon 2 est prêt. Nous pouvons commencer. Et nous pouvons commencer. Continuez. Sélectionnez un extrait pour apprendre à caster. Vous avez quelques petits tutoriels qui vous montrent des extraits pour apprendre à caster. Et vous avez tout un explicatif pour caster votre smartphone, votre tablette et votre Google Home sur votre écran de téléviseur. Ignorez le didacticiel. Si vous voulez ignorer le didacticiel. Quittez la configuration. Didacticiel terminé. En tête. Utilisons maintenant l'application Google Home pour trouver une vidéo à regarder. Terminez le didacticiel. On termine donc le didacticiel. Une fois tout ça terminé, vous avez le petit micro. Parlez à l'assistant Google. Bouton. L'assistant Google. Regardez micro. Vision Hightech sur YouTube Salon 2. Ok, je... Et vous avez configuré correctement votre Chromecast. Félicitations. Arrêtez la diffusion. Bouton. Et vous avez donc terminé votre configuration. Félicitations à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. La première configuration de votre Chromecast. J'espère que cela vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à partager. Et comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. À bientôt sur Vision Hightech. Salut à tous.